Béni soit le Seigneur qui a fait de nous ses ministres pour annoncer l'Évangile, accélérer la maturité de l'Église et la préparer pour l'enlèvement très bientôt. Béni soit l'agneau qui a émené des captifs dans les hauteurs et qui a fait des dons aux hommes. Il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Par sa grâce, nous sommes ce que nous sommes. Et nous le bénissons de se servir de ces vases de terre où il a placé un éternel poids de gloire afin que cette gloire lui soit rendue à lui seul. Lui, le tenant du titre, le maître de la moisson, lui, le fils de l'homme qui revient le soir. Celui qui tient les sept chandeliers et qui a les sept esprits en ses mains. Lui qui était, qui est et qui revient bientôt. Lui, le maître de temps. Lui qui contrôle le temps, qui influence les saisons en faveur de ceux qu'il a agréés. Lui, l'alpha et l'oméga, de l'infiniment plus petit à l'infiniment plus grand, il est Yahweh. Lui, le premier et le dernier. Avant que les hommes ne commencent, il est là. Avant que les choses ne s'achèvent, il a déjà achevé. Lui, le premier et le dernier. Sirakoda samana kokarisa. Allah salakora sirabako. Irasoka barakoda san. Lui qui libère les anges, qui accompagne ses étoiles sur la terre. Lui qui a libéré une multitude d'anges de la mission. Voyagez avec nous comme du temps de l'apôtre Paul. Avec une forte délégation venant de l'Afrique jusqu'en Amérique. Qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, même du temps de mes pères, pareille grâce n'était pas encore manifestée. Hommage à mes pères qui m'ont montré le véritable salut. Hommage à mes pères qui m'ont appris à gagner les âmes tout jeunes. Hommage à mes pères qui m'ont appris à chercher Dieu avec l'esprit des sacrifices. Hommage à mes pères qui m'ont appris l'humilité qui précède la gloire. Hommage à mes pères qui m'ont appris à ne pas travailler pour mon ventre ni pour de vaines gloires. S'il revenait en vie aujourd'hui, il aurait des larmes pour voir cette gloire qui traverse les frontières des nations, du continent et partout dans le monde. Béni soit mes pères. Si j'étais tombé sur une mauvaise adresse, je ne serais pas un bon chrétien. Je n'allais pas être né de nouveau. Et peut-être vous tous là, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Merci pour mon arbre généalogique dont je peux me revendiquer
sans tricherie de mon arbre, Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils d'Adam, fils de David, Léopold, fils d'Aïdine, donc Gouze, mon Dieu de mes apparitions, que ton nom soit glorifié, célébré, magnifié, adoré. Dans mon chemin de la vie, il m'a envoyé des gens qui m'ont appris à chaque étape les choses qui étaient nécessaires pour mon avenir. J'ai croisé Mama Tumba Shaumba. Alors, tout jeune choriste en Zambé Malam, elle m'a appris à faire du porte-à-porte. Chaque jour, je sortais avec elle. Tout Yolo ici, du nord au sud, on faisait du porte-à-porte dans chaque maison. Et j'étais exorcisé de la honte et de la peur pour affronter des gens et leur parler de Jésus. J'ai croisé à chaque étape de ma vie, chaque fois qu'il était nécessaire que quelque chose soit complété à ma foi, il y a des gens qui sortaient du néant, qui me croisaient pour que je ne sois pas un parvenu dans l'œuvre de Dieu. Ce qui se passe maintenant, ce n'est que l'accomplissement. J'ai toujours dit, on ne devient jamais champion sur le ring. Quand on monte sur le ring, c'est pour confirmer qu'on est champion. Nous allons célébrer Dieu.